Monsieur Didier Le Gac. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'article 1 vise donc à prolonger les règles d'indemnisation d'assurance chômage décidées en 2019 et aussi à engager une négociation avec les partenaires sociaux pour faire évoluer ces règles. La réforme portée en 2019 n'a pas encore produit tous ses résultats. Elle n'est entrée en vigueur qu'au second semestre 2021 car le gouvernement n'a pas souhaité changer les règles en pleine crise sanitaire et a attendu que la situation économique s'améliore et il faut saluer cette décision. C'est bien là d'ailleurs l'objectif de notre majorité à travers ce texte, rendre notre système d'indemnisation plus réactif à la conjoncture économique. L'article 1 va permettre aussi de prolonger le dispositif de bonus-malus créé en 2021. Avec ce dispositif simple, les entreprises qui abusent de contrats courts sont pénalisées par le biais d'un taux de cotisation plus élevé. Ce dispositif est également efficace puisque le nombre de CDI en 2022 est déjà supérieur de 20% par rapport à 2019. Une fois la prolongation votée, le gouvernement engagera une négociation avec les partenaires sociaux pour établir de nouvelles règles. Parmi celles-ci, il y en a une qui ne bougera pas et je veux le souligner. C'est le niveau d'indemnisation des chômeurs qui ne fera pas partie des critères discutés et là aussi je m'en félicite. Être au chômage, chers collègues, est un droit et un droit précieux garanti depuis 1958. Ce droit, chers collègues, ne doit jamais devenir un choix. Aujourd'hui, pourtant, plusieurs régions connaissent une situation de quasi plein emploi. Revers de cette situation, il n'y a pas une semaine où un chef d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, nous fasse part de ses difficultés à embaucher. Et non, ce ne sont pas seulement des emplois pénibles et mal payés qui sont difficiles à pourvoir. Cela existe, et je ne les nie pas, mais bien souvent aussi des emplois qualifiés et bien rémunérés. C'est pourquoi notre système de chômage doit être demain plus protecteur quand la situation économique se dégrade, mais aussi plus incitatif quand la situation économique s'améliore, comme aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur